brève escapade à Belle-Île, le ministre annonce son nouveau cheval de bataille, la sécurité des rêves partis. Une rêve partie, c'est fait pour que des jeunes puissent s'amuser. Mais il faut aussi qu'on garantisse la sécurité de ceux qui sont autour et de ceux qui y participent. Une rêve partie, voyez-vous, ça ne doit pas être une drogue partie. Attention si vous prenez la route du sud en direction de la frontière italienne. Les amateurs de techno et de free party annoncent des opérations escargot demain soir. Ils protestent contre la loi qui les oblige à déclarer leur rêve party. Conséquence, le Technival du 15 août, grand rendez-vous des amateurs de techno, pourrait avoir lieu cette année en Italie. Thank you.
Nous a assuré qu'il ne pourrait jamais nous faire de mal. Mais ce soir, toutes nos certitudes se sont écroulées. Car les robots du monde entier, dotés de l'intelligence artificielle et utilisés dans les transports et l'entretien médical et domestique, ont tous transgressé leur protocole de sécurité. D'assaut un lieu en plein Paris, un lieu classé, etc. Et contre toute attente, il n'y a pas eu de débordement, de casse, de vol, de violence, d'affrontement avec la police, etc. Donc le message politique, il est là, quoi. Je veux dire, regardez, on peut réunir, je ne sais plus, 4 ou 5 ou 6 000 personnes en plein Paris dans un lieu complètement fou. Des gens que vous n'appréciez pas forcément, une culture que vous n'aimez pas forcément, même pas du tout, et ça peut très bien se passer. Et ça c'est super cool de faire ça.
ils ont pris d'assaut un lieu en plein Paris, un lieu classé, etc. Et contre toute attente, il n'y a pas eu de débordement, de casse, de vol, de violence, d'affrontement avec la police, etc. Donc le sens politique, il est là, quoi. Je veux dire, regardez, quoi. On peut réunir, je sais plus, 4 ou 5 ou 6 000 personnes en plein Paris, dans un lieu Paris en fou, des gens que vous n'appréciez pas forcément, une culture que vous n'aimez pas forcément, même pas du tout, et ça peut très bien se passer. Et ça, c'est super cool.